Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons jouer la Borderlands, nous sommes donc au 15e épisode. Et oui, comme quoi que après au moins 7 heures de jeu, on se retrouve toujours. Et oui, parce que il est écrit 7h20 environ. Enfin voilà, c'est pas encore trop grave. C'est pas le temps qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est le contenu du jeu. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là sur le New Haven. Ok, donc. On doit aller voir Earl le dingue et retourner au West Common West. Ok, on va aller voir Earl le dingue tout de suite. Alors attendez, est-ce qu'il faut que je le trouve? Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Là franchement ça va, c'est la patate. On sait que dans le jeu on a quand même très bien avancé. Notre niveau il est quand même niveau 28, le fameux brick. Un furieux niveau 28, ça va, c'est pas mal. Niveau maximum du jeu, c'est 69 quand vous avez les DLC. Quand vous l'avez pas, normalement, c'est 50, il me semble. Donc, pour les personnes qui l'ont fait, parce que moi, quand il y a un bon moment, quand je jouais sur PlayStation 3, j'avais eu un personnage au niveau maximum et c'était niveau 69. Et après, vous restez bloqué niveau 69. Mais vous pouvez quand même continuer vos armes si vous n'avez pas terminé. Voilà. Ouf, ça c'est pas bon. Ça lui fait rien ça. C'est pas grave, on va réutiliser notre mitraillette après. Ok. Bon. Oui, ça va, l'effet. Elle est efficace. C'est moins qu'on puisse dire. Très efficace les mitraillettes. Vous voyez, quand vous prenez les ennemis à revers, surtout pour les Skag Alpha, celui-là il était quand même assez costaud celui-ci, c'est un Skag Alpha brutal et électrique. C'est ça qui est énorme. Donc ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup plus puissants et qu'ils donnent beaucoup plus de points d'expérience. C'est ça qui est génial. Alors, pour aller au Common West, voilà, juste au-dessus, je m'en rappelais plus, hein. Ça peut arriver. Donc là, ça va, on approche vraiment de plus en plus au niveau de l'histoire. Là, on va devoir amener donc les fragments à notre chère Patricia Tanis. Je crois que c'est ça. Donc au moins on se sera fait, on sera tranquille. Il vaut mieux 4 euros que 0 euros. Pour dire une connerie comme ça, vaut mieux s'abstenir, j'ai envie de vous dire. Parce que là... Quand même quoi. Ah bah... Ça y est. On s'approche de petites missions un tout petit peu casse-pied. Vous avez raison. Nous sommes bien que 10 points d'expérience, c'est pas beaucoup ça. Moi je voudrais au moins que ça me donne dans les centaines d'expérience, parce que là 10... Je vous avoue que les niveaux où je dois aller, ça doit être... Ça doit en prendre beaucoup d'expérience. À peine 3 ou... Ouf, toi t'as perdu la tête. Ou 2, comme là on voit en expérience, c'est très peu pour moi. Alors attendez. Oui, bon, bah, on va les faire. Hein. Bon. Allons voir ce que ça va donner. Hmm.
Là, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Alors, les SMG, c'est augmenté. Fusil à pompe, pas forcément besoin. Un lanceur, ça augmente bien. Grenade 7 au lieu de 8, il me semble que c'est maximum, mais je suis pas sûr. Ouais, non. Enfin, je sais pas. Sniper. Ça augmente le double, je veux bien. Ok. Pistolet, on s'en sert très peu, voire pas du tout, donc ça sert à rien. Voilà. Parce que là, c'est vraiment les armes qui sont véritablement primordiales qu'on va devoir utiliser. Alors, comme là, c'est des niveaux 20, enfin, c'est niveau 26 quand c'est bon. Voir que là on va pouvoir s'en faire de l'expérience et c'est ce que je voulais parce que sans prendre d'expérience c'est un petit peu abusé. J'ai des ennemis qui sont complètement inutiles hein, on peut le dire. Non non non, toi tu ne fonces pas dessus, tu restes bien sage. Aussi, regarde. Alors, le détrousseur, on va le tuer. Je vous l'avais dit, hein, on va le tuer. Ça dépend si c'est encore un détrousseur là, mais je pense que j'ai directement changé d'arme. C'était pas un très très dur, mais ce n'est pas grave. Au moins, on lui a fait sa fête, on leur fait comprendre un petit peu que nous avons aussi de bonnes armes. Alors, par contre, oui, je vais arranger le sniper, je vais changer d'arme. Parce que là, c'est pas un sniper qu'il me faudrait. Bof. Pistolet. Je sais que celui-là, il est bien. On va voir pour le pistolet. Je sais que d'habitude, j'en utilisais très peu. Alors. C'est vrai que là ça m'intéresse un peu plus. Faible régénération de santé. Là, on a régénération de santé rapide. Attends, on va regarder un petit peu. Non, il n'y a pas de bouclier très intéressant. Donc je peux vendre mon bouclier que je viens de voir là par contre. Celui-ci je peux le vendre. Parce que ça sert à rien. Par contre. Vous voyez déjà niveau 28, c'est autre chose. Donc ça on attendra. 29, je suis que niveau 28, je peux pas faire grand chose quoi. On va éviter de faire ces missions là tout de suite. Bon déjà on en a fait une c'est sûr. Pourquoi pas, mais. Enfin, c'est vrai que là ça devient abusé quand même. Ok. Bon. On va aller voir notre ami Tanis. C'est par là aussi. Non, c'est là que je vais aller. C'est là que je vais aller, pas de l'autre côté. Enfin, surtout que le niveau 29, cherchez même pas. Hein. S'ils disent niveau 29, les ennemis déjà sont augmentés. Après, sans compter les ennemis classiques, on a aussi les ennemis comme les détrousseurs. Alors déjà, on a un peu de difficulté malgré qu'ils ont un niveau en dessous de nous, alors je vous dis pas, là, il sera 3 niveaux au-dessus de moi peut-être, un truc dans le genre. C'est abusé. Je crois que c'est pas par là. Je me trompe toujours avec la fameuse tennis. Moi aussi, je vais me faire plaisir quand je vais vous arracher la tête. Voilà, comme ça, on peut aller voir Thanos tranquillement. Non, 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 non. Vous avez vu quand même les dégâts qui s'enlèvent. Wow.
falloir faire très attention. Ah, il a quand même bien résisté notre véhicule. Ah, par contre ici il faut que je regarde si je dois monter ou pas. C'est là, hein. Ok. On vérifie quand même toujours un petit peu parce que là c'est vrai que c'est pas le même endroit. Il y a des endroits où on peut connaître à peu près. Mais là c'est vraiment un endroit qui n'est pas vraiment beaucoup pratiqué ici. Donc on prend nos repères. Ok, bon. Ça va. J'espère qu'on pourra quand même être niveau 30 d'ici là quand même. Bon, là ça fait qu'à peine 10 minutes qu'on est sur notre petit épisode. Donc, oh non, là ça donne rien cela. Donnez-moi des ennemis qui donnent de l'expérience s'il vous plaît. Pas des ennemis comme ceux que vous donnez là. Et surtout qu'ils ont rien comme expérience, ça ça affolant, excusez-moi. Ok. Donc là, il y aura bientôt de nouvelles missions parce qu'on a encore un claptrap. À chaque fois, de toute façon, qu'il y a un claptrap. T'es gentil, mais t'aurais pu me le dire avant. Donc Elena Pierce, c'est bien. Bon là ça va. Ça va encore comme expérience, surtout qu'ils sont très faciles à voir. Exactement ce que je voulais. Bonjour. Il y a des nouvelles missions au bas de l'épine. Oui, mais lequel? Vous êtes gentil, il y a des claptraps à chaque fois, vous me dites panneau des primes, mais vous voudrez juste savoir lequel. Vous avez tué l'affreux. J'ai demandé à Pierce une autorisation de classe A pour vous, mais elle a refusé. Alors j'ai volé son bras robotique, ce qui l'a forcé à vous l'accorder. Vous pouvez aller de l'avant avec ça. Sommes-nous amis? Je crois que ça me plairait. Ok, bon, maintenant. Je sais qu'il y aura le New Haven. On va avoir vraiment des missions à mon avis embêtantes. Surtout autorisation de classe A, ça veut dire que la zone va être certainement dangereuse. Donc on va voir ça plus en détail. Très vite, vous croyez qu'il y a des missions ici au panneau des primes de là? Je vais aller voir parce que je sais qu'il y a. Comme il y a Elena. Salutations, Elena Pierce a de nouvelles missions pour vous. Je crois que c'est un problème de codage. On est bien d'accord. Parce que là, c'est abusé à chaque fois, ça me fait exactement pareil. Bon, on va aller chercher les quelques missions qu'on doit avoir. New Haven, on doit certainement en avoir, vu qu'il y a une Pierce. Bon, là, ça va. On verra à quel niveau on va pouvoir terminer le jeu. Bien sûr, là, je l'ai fait tout seul, comme vous avez pu le voir. Donc, j'ai pas de problème dans un sens... d'expérience, je vais plus avoir mon expérience totale. Enfin, je tue pas tout le temps des ennemis, hein. J'en tue que quand quand je vois que je peux, ça peut me rapporter de l'expérience. Si ça me rapporte pas, ça sert à rien. J'espère que vous vous tenez à l'écart des éléments improductifs. Ouais. On va regarder un petit peu déjà dans les missions qu'on a ici. Ah bah d'accord, c'est le Old Haven. Old Haven, on va éviter d'y aller tout de suite. C'est même un très bon conseil que je peux vous donner si vous faites le jeu en peut-être en même temps que moi, j'en sais rien. Ne le faites pas. Pas tout de suite. Sinon vous allez regretter d'avoir joué. Je vais regarder quand même si au panneau des primes il n'y a rien. Parce qu'ils disent au panneau des primes, mais
comme ils sont gentils, qu'ils nous disent rien. Non, il y a une main rouge, donc apparemment, il n'y en a plus. Ok. Je préfère vérifier. Donc maintenant, on doit aller au Commonwealth. Commonest, pardon. Donc là, ça va être un peu plus pratique, à mon avis. On débloquera certainement toutes les missions à partir d'un certain point. Là, on les débloque tout le temps au coup de goutte pour qu'on puisse augmenter notre expérience. Pour ça qu'on fait un peu de quête secondaire et après de la principale, parce que si je fais que la principale, vous pouvez en être sûr, il faut que je ferme à mort. Enfin, voilà, c'est trop de temps perdu, alors que là vous faites tout d'un coup et c'est fini. Alors ouais, ça va encore, c'est pas trop trop loin. Donc, je vais chercher un véhicule. On va y aller. Vu que c'est des missions qui sont assez proches. Allez en route. Ok, on y va. Bon, là on va laisser nos véhicules et on va chercher la balise qui est gardée, bien sûr, c'est normal. Oh, je suis bloqué, mon bouclier résiste vraiment mais pas du tout. Alors attendez, je vais tester quand même quelque chose. Si je vois que ça va pas, je remettrai mon bouclier classique. Bon, allez, si tu peux te recharger tout de suite le bouclier. C'est un peu plus pratique quand on a un bouclier plus résistant. Mais bon, après il faut que ce soit résistant et aussi que ça nous redonne quand même de la santé. Ah mais en fait vous rigolez, mais ça marche très bien ça. J'ai bien fait. Ah ben je le garde. Écoutez. Bon, j'ai trouvé mon arme. Bon, c'est pas grave pour un flux. Pour un revolver comme ça, ça sert à rien de toute façon de le garder. On va devoir le vendre. Même s'il y aurait eu du corps à corps, c'est pas trop trop important quoi. Donc là, on va regarder un petit peu si c'est loin ou pas. Ouais, bof, c'est pas si loin que ça, mais. À mon avis, on doit avoir des missions un peu plus proches. Donc on va regarder un petit peu. Là, par exemple, vous voyez, c'est une mission qui est très proche de l'autre. Donc je sais que l'hôtel, c'est tout près. Celle-là aussi. Et rendez-vous. C'est... Oui, de toute façon, il faudra passer par là alors. Ok. Bon, bah, on va faire celle-ci. Sinon, on peut pas faire les autres. Ce qui serait dommage. Ça va, donc c'est un bouclier qui recharge notre santé assez rapidement. Malgré qu'il est écrit faible. Ça va, c'est pas mal. Et en plus, bah, il a 379. C'est pas mal. Donc je crois que je vais bientôt mettre des points en, hey, en armure. Comme ça, bah, on aura encore plus de résistance, on sera encore plus costaud. Parce que là j'avais déjà acheté des points de compétence pour pouvoir avoir de la santé, comme vous avez pu le voir.
Et là, en plus, l'armure, je vous dis même pas comment ça va être. Ça va être le bordel. Pour les ennemis, ça va être redoutable. Je vais vérifier juste quelque chose. Par contre, là, c'est pas par là. C'est pas grave parce qu'on a tué quand même une fouchard. Alors, comme on avait pu le voir avant, le claptrap était tout petit. Pas petit, mais plutôt de. Il s'était réfugié dans sa carapace. Allez. Je me prépare déjà. Yeah. Eh merde. J'allais faire un bug là. C'est quoi ce bordel? C'est marrant. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'ai voulu tenter quelque chose, mais après, ce qui est difficile, c'est la réception. Si j'en crois les mesures de mes instruments, nous devrions trouver un autre fragment de clé de l'arche, mais entre ici et là-bas, il y a les habitants qui empestent l'alcool et l'ignorance. Ils aiment la science autant que moi la musique. Cet art inutile et stupide. D'accord. Ah, je crois que là ça va me plaire aussi. Alors, allons voir notre cher ami. De toute façon, on peut les tuer, ça nous donne quand même 100 en expérience. C'est toujours bon à prendre. Par contre, maintenant, donc là, on doit tuer le frère de notre cher ami. Donc, on va le tuer. Sans regret. Ouf, fatch. Tant pis pour toi. Ces criminels endurcis contrôlent la route. Faites tout ce que vous pensez nécessaire pour poursuivre vos recherches. Oula, je me suis fait bloquer. Aucun bilan explosif là-dedans. Oh my god. Alors ça, cette arme, je vais l'utiliser un peu car elle est assez puissante malgré qu'elle est en rafale. Voilà, il y a juste que quand vous êtes en mode non endoscope, oui, que l'arme n'est pas si terrible que ça, mais quand... Ouf, il m'a mis une balle de loin, lui. Là, je suis mort. Dommage. Il m'a mis une balle de loin. Ça sert à rien de utiliser notre pouvoir. Yep, ça c'est utiliser un téléporteur à bon escient. Bon, ils veulent pas rigoler avec moi, je vais pas rigoler avec eux. On va essayer d'aller chercher assez rapidement son frère là parce que. Ouais, super. Mais il est pas là son frère. Il hein. Faut que je tue les ennemis de toute la zone, c'est ça? Parce que là c'est pas trop cherché.
obligé de se les faire, on va se les faire. Vu que sinon, il ne pointera pas le bout de son nez. C'est lui là. Oh, punaise, à leur tour. Faut que je te chope. Non. Tire pas. Laisse-toi faire. Aussi, laisse-toi faire. Ce serait plutôt une petite sœur. Ah ben voilà, il est là, il est là. J'étais en train de le chercher partout. Non. Abusé. Ouais, du camp. Le seul défaut, c'est qu'elle est pas du tout précise apparemment. Quand je dis pas du tout précise, c'est vraiment pas du tout quoi. Bon bah voilà. Bon, je crois qu'on va quand même tuer les ennemis ici dans le coin. Ça va me donner quand même de l'expérience. Oh, un détrousseur, alors ça c'est sûr, ça va me donner de l'expérience. Bon, ils sont en donne quand même. Vous voyez, 500 pour tuer les deux. Pas négociable. Voilà. Il y en a encore. Ils en redemandent. Alors. Il est où le dernier là? C'est bon, je l'ai trouvé. Bah ouais, il faut que je jette une grenade pour que tu t'en ailles. Là par contre j'ai plus de munitions, il va falloir en acheter. J'en ai quasiment plus pour la mitraillette. Je vais en acheter. Ça sera plus vite que d'aller en chercher. De toute façon, ça coûte pas si cher que ça, donc hop, on y va. Il fallait accepter ses missions à lui. Toujours sans expérience, c'est génial. Ça me permet d'être tranquille. Il faudrait que j'abuse encore de ma capacité spéciale. Voilà. Donc là, on délai un new event. On va faire au moins celle-ci une mission. Je vais regarder s'il y a quand même un point de. Oui, bah génial, il y a un point de passage. Ah, je suis désolé Marcus, mais si t'as quelque chose à dire, tu peux nous dire à New Haven plutôt que venir nous casser les pieds. En gros, il nous dit de faire attention, c'est peut-être un coup monté, quoi. C'est ça que l'on peut comprendre. Alors. Ah, je me disais bien. Alors, on va faire les objets précieux de Eric. Ce qui est complètement bête. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, ça passe. Nickel. Oh, c'est assez permissif. Par contre, des moments, on dirait que ça ne l'est plus du tout.
Il est pas totalement open world, hein, de toute façon, le Borderlands. Des magazines cochons. Le mec, il a juste ça à foutre. Là. On s'en fout. Je pense pas que c'est des ennemis qui nous donneront beaucoup d'expérience. De toute façon, je vais passer de l'autre côté. Bon, ouais, non, vu leur niveau, c'est même pas la peine. Je vais encore. Je vais plutôt économiser mes balles. Waouh. Tu as essayé de me faire mal, là, petit. Bon, ça y est, il a bousillé mon armure, il est content. Alors, on va aller voir là-bas. Les fouchards, on s'en fout. J'ai regardé au niveau de la carte quand même. J'ai bien fait de regarder. Je peux voir passer et prendre une... Encore un de ces magazines. Et je crois qu'on s'arrêtera là pour le moment. Au moins on aura déjà fait un petit passage tranquillement dans Borderland. Hein. Ici il y a des armes, ok. Bon, juste avant je vendrai mes armes, que vous le savez. Car c'est ce que l'on fait tout le temps avant de... enchaîner un nouvel épisode, parce que sinon ça prend du temps au début. Je préfère le faire à la fin, comme ça je suis tranquille, je sais que c'est fait et puis c'est tout, quoi. Voilà. Je vais passer les pieds, vous, à chaque fois tirer là. Moi aussi je peux me mettre en colère. C'était même pas fait exprès que c'est un chargeur pile. J'aime regarder, juste comme ça par curiosité. Ah non, même pas. Je me suis dit, on aurait peut-être un là, vu qu'ils sont tous dans les trucs d'elle. Lui, il doit être assez loin, je parie. Donc faut courir à deux debout. Bon, c'est pas encore trop loin. Voilà. Bon, ça va, l'armure elle prend pas trop encore le bouclier. S'il prendrait vraiment beaucoup de dégâts, là, ce serait abusé. Ouais. Vous calmez, s'il vous plaît. Oh. Ça, on n'est pas un petit peu en hauteur là. Je me demande où il est le dernier. Alors la réponse est dans New Haven. Ok. Elle est vraiment dedans. C'est vraiment dans la ville, quoi, apparemment. Donc on va y aller, on va aller chercher le dernier. Et après, comme je vous ai dit, on va aller vendre quelques petites armes. C'est vraiment tout près de l'intérieur. Voilà. Donc là, on a fait. Sa décharge, c'est une question de justice. Là, il y a 3 points d'interrogation, voire peut-être même plus. T'as que ça à foutre. Bah, nickel.
J'avais demandé juste un point d'expérience, enfin un point de compétence, donc un niveau, nickel, on l'a. Je vais regarder quand même si Marcus ne va pas nous demander quelque chose, non, ok. Bon, on va vendre quelques armes. De toute façon, revolver, je m'en sers jamais. Celle-ci, j'aimerais bien la garder quand même dans un sens. Ça, c'est un bon pistolet. Vous voyez? Oh ben voilà. J'hésite quand même, je vais juste regarder le temps. Non bah c'est pas grave, le conteneur on le fera plus tard. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va finir donc avec un point de compétence à mettre dans les dégâts. Donc on se retrouvera certainement dans le New Haven pour continuer déjà une mission. Donc le conteneur à trouver c'est dans le New Haven. Et donc je vous dis à très bientôt et salut à tous les amis.